Thierry, à quoi passer la parole à Dr Faro. Bien bonjour tout le monde. Donc Alors c'est Dr Faro, on va représenter le mouvement des libéraux, c'est-à-dire des mondes qui investissent dans la santé, etc. Bref. Moi, je suspend moins parce que je dis moins que l'entreprise travaille tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas accepté Pichila. Problème là, je dis nous, vaccination obligatoire, c'est la loi. Mais c'est ça qu'on a mis en figure en nous. Par contre, ça, on a constaté que la loi là, du 5 août, son loi, il y aura créé d'habilitation, d'après moi. C'est-à-dire que nous avons procédé par décret. Je dis nous, deux doses, mais alors on a dit nous trois doses, moins, sans commander, zéro dose pour les mondes qui pleurent déconner tant et aussi longtemps, il n'y a pas dans nous interférence entre chlordécone et vaccin, même quand il y a ce vaccin, injection à eux. Mais c'est ça, nous voulons, zéro dose, il n'y a pas fait. Il n'y a pas dit nous, pas fait, mais je n'ai modifié, il y a dit trois doses. Si on peut dire trois doses, on peut dire zéro dose pour tous les mondes qui clordent qu'on est. C'est ça, moi, qu'a dit. Bon, pour le reste, en cas de tous ces libéraux-là qui acceptaient, faire injecter parce qu'ils n'ont pas ni le choix, ils n'ont ni prêt. Moi-même, chance pour moi, en son vieux madame, donc, en soi à la sortie. Mais on l'ogène qui n'y des prêts, qui n'y des engagements. Ils sont obligés d'accepter ça. Pour moi, ils sont viols. Ils ont violé ces gens-là. Et nous, on a dit non. Mais c'est ça, Anthony Poudy. Merci bien. Oui.